Salut Marianne Ardèche, bonjour à tous. Comment allez-vous? C'est moi qui remplace aujourd'hui Alexis qui est en tournage. Il a une altercation avec D'Artagnan, vous savez, avec Pierre-Jean Guibon, Pierre-Éric de Guibon, je sais pas comment il s'appelle, comment ça s'appelle? D'extrême droite, hein, tout simplement, je pense qu'on peut dire, avec qui il débat sur RT. Voilà, donc il m'a demandé de le remplacer. Je ne sais pas comment ils sont. Je n'ai aucune idée. J'ai pas les vues mettre. J'ai changé un peu de configuration. J'ai une nouvelle caméra. J'ai un peu de nouveau matériel. Je ne sais pas si on m'entend bien. Donc dites-moi, faites-moi un petit retour et puis on commence. Salut, Pam Bleu. Salut, Ninon. Bonjour. Il y a plein de nouveaux là. Ça fait 2 semaines et demie que je suis pas venu. Il y a plein de nouvelles personnes. C'est cool. C'est super. C'est top. Merci. Putain, c'est chaud. Et bien voilà, nous sommes le 10 novembre. Donc demain, c'est Alexis qui va faire un petit défilé militaire dans son salon. Ça c'est sympa. J'ai lu rapidement la presse ce matin pour vous. Donc on va parler de. Salut Clyde, mon cher modérateur. J'espère que tu vas bien. Bonjour Nora, il y a plein d'habitués que je vois, ça me fait plaisir. Il y a plein de gens que j'ai jamais vus. Voilà, merci pour le reçu, Sandrine. Non, neuf drin, pardon, neuf drin, trois sandrine, je sais pas, c'est dur à dire les pseudos sur Twitch, voilà. Le petit gif qui va bien, ah, il y en a un nouveau là, on va regarder, on va jeter un coup d'œil à ça. J'ai pas encore tout le setup d'Alexis, on est toujours en décalage avec Alexis, on n'a jamais les mêmes modes de fonctionnement, et bientôt il y aura tout ça, tout va être unifié. Alors, vous le savez, on fait toujours un petit peu de retape maintenant. C'est notre nouveau truc, Alexis. C'est vous dire que pour ceux qui veulent nous aider, ils peuvent venir ici. Puis ça aide aussi Jeff Bezos, c'est cool comme ça. Il peut les faire défiler dans l'espace et peut-être tenter l'accident. C'est pas très gentil de dire ça, mais voilà. Ah non, le truc s'en va trop vite. C'est nul. Il faut, voilà, il revient. Et oui, attendez, il faut que je fasse une chose toute con. Il faut que j'explique que ce truc-là, voilà, qui s'appelle le machin retape de l'espace, il faut qu'il tourne tout le temps quand je l'affiche. Si Alexis, vous voyez ça, bien, c'est n'importe quoi. Envoie la pub, bordel. Voilà. Donc, on est sur Patreon, slash le monde moderne. Et là, vous pouvez donner ce que vous voulez. Il y a des abonnements, il y a des goodies à récupérer, des merchandising et des trucs comme ça. Voilà. C'est moins bon, le micro est moins bon, vous dites. C'est pas terrible. Est-ce que j'augmente un peu le son? Ça va? On commence? Allez, on va commencer. On va commencer. Salut Isoline. Tac. On va commencer par. Alors, je vais juste vérifier que je. Non, je ne broadcastais pas ma tablette. On va commencer aujourd'hui. On va parler, bien entendu, des annonces du président qui sont quand même extraordinaires, n'est-ce pas? Tout va bien, on vit d'un pays. On vit un pays merveilleux où tout va bien. On va donc commencer par. J'aime bien commencer, vous savez, rapidement par les échos, ça m'amuse. Pas les échos, pardon, par challenge, je dis n'importe quoi. Voilà, on va commencer par challenge. Donc l'Europe face à la Chine, jolie tarte à la crème des journaux économiques, avec tout simplement plein de trucs rigolos, enfin rigolos ou pas du reste, mais qui m'ont amusé à partager avec vous. Le premier, c'est que l'état-major à l'ARM redoute une poussée du vote écologie chez les Français de l'étranger dans le siège de la COP26. Voilà. Donc ça, c'est la grosse inquiétude, c'est finalement, est-ce que les votes à l'étranger, vous savez, pour les élections présidentielles qui arrivent, et puis pour les législatives, est-ce que finalement, les gens ne seraient pas pris d'un seul coup d'une sorte de crise de foi verte, voilà. Donc c'est la grosse inquiétude pour l'instant, état-major à l'ARM. Alors Éric Ciotti, qu'on aime beaucoup ici, entend profiter de sa visibilité à la primaire LR pour négocier l'intérieur en cas de victoire de son camp. Parce que vous savez, ça sert à ça aussi, comment on appelle ça? Les petits concours, les petites courses à l'échalote qu'ils font avant les élections. Les primaires, ça sert à se positionner en tant que ministrable. Voilà. Par exemple, Bruno Le Maire, qui avait fait, pareil, qui avait participé à ça, disait clairement, lui, il sait bien qu'il sera jamais président, il sait bien il va jamais gagner la primaire, il n'aura jamais l'élection. Par contre, ça permet de se positionner comme ministrable. Voilà. Donc, ça serait sympa, Éric Ciotti, comme ministre de l'Intérieur. Ça fait rêver. Je sais pas s'il faut qu'il le dise. Donc, le PS attend qu'Arnaud Montebourg dégage. Donc, bon, voilà. Une fois qu'il aura dégagé, on ne devrait plus attendre longtemps. On pourrait rassembler l'électorat PS et c'est celui qu'il faut viser pour atteindre en janvier les 14-18. Donc, j'ai dit très vite. J'ai lu trop vite. J'ai un torticolis horrible, j'articule encore moins mal que d'habitude, donc c'est très très pénible. Voilà.
Articulateur, on m'appelle dans le milieu du stream. Donc voilà, vite, ils veulent le dégager pour essayer de récupérer ces 3 ou 4% dont il est crédité par les sondages. Voilà, ce qui veut rien dire, bien entendu, mais c'est rigolo, la gentillesse que ces gens ont entre eux. François Hollande ne sera pas vaincu, voilà, ça c'est mignon, ça. Après avoir eu François Hollande sur ses terres corréziennes, Anne Hidalgo est persuadée que l'ancien président ne compte absolument pas se représenter. À la différence de Nicolas Sarkozy, il n'a pas été battu, il ne va donc pas prendre le risque d'être vaincu. C'est vrai qu'il est tranquille, il a pas été. C'est vrai, il est pas sortant, lui, il est pas. Enfin, il a pas été sorti surtout. Il est sortant, mais pas sorti. Donc c'est cruel et méchant, voilà. Et puis une information quand même inquiétante. Selon la Fondation Jean Jaurès, 66% des femmes se déclarent inquiètes pour leurs droits si Éric Zemmour est élu président. Voilà. Donc oui, ce type fait flipper. Oui, ce type est profondément misogyne, sexiste, je sais pas comment on dit, il y a sûrement des gens qui le disent mieux que moi, mais ce type-là craint et s'inquiète quand même 66% des femmes. Tout le monde en inquiète peut-être plus. Lisez ces bouquins en tout cas qui sont. Enfin, lisez, non, lisez pas ces bouquins. Téléchargez légalement ces bouquins, faites des recherches sur ces textes, vous verrez que ce mec, enfin faites le lire autour de vous, ce mec est complètement tapé. Zemmour se présente, on ne sait pas encore, ça va être la surprise. Voilà, ça va être la surprise. Qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Voilà, ça c'est marrant aussi, ça, voilà. La place particulière accordée à Eric Zemmour sur les antennes propriété de Vincent Bolloré peut-elle atteindre la marque Vivendi? Vous savez, parce que Vivendi, c'est la maison mère, c'est l'ancienne générale des eaux. Pour l'instant, les réseaux sociaux, ce sont les mots Zemmour, Bolloré et CNews qui émergent, et jamais Vivendi. Ça, c'est un bon angle d'attaque pour ses opposants, de mélanger peut-être la maison mère, c'est celle qui est cotée en bourse. Hein. CNews, c'est pas coté en bourse. Bolloré, c'est pas coté en bourse. Par contre, Vivendi, c'est coté en bourse. Et ça les emmerderait que ça baisse. Et ça peut être intéressant peut-être de venir taper là où ça fait mal. Et de m'expliquer que Vivendi soutient quand même une personne qui est multi-condamnée, qui est xénophobe, qui est dingue, surtout qui est dingue. Et qui est totalement. Enfin, pas totalement culte, mais voilà, son petit vernis fantasmé culturel est quand même bien en deçà de ce que les. Parce que la bonne bourgeoisie française pense et espère. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre sur Challenge? C'est tout. C'est ces petits, comment ils appellent ça? Confidentiels. Voilà. Je fais toujours en revue de presse le jeudi, parce que je suis souvent là le jeudi. Demain, c'est férié. Donc, les certains hebdomadaires sont sortis aujourd'hui avec une journée d'avance. On va passer très très vite. À Paris Match, un truc qui m'a fait rire. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je vous mets le texte devant vous. Alors c'est un tout petit extrait d'une personne qui a écrit un bouquin qui interviewe les puissants de ce monde. Et il y a des petites confidences comme ça. Donc il y a le pape François, il y a Guy Savoy, là on voit. Et puis là c'est le focus sur Bernard Arnault. Alors je vais le lire avec vous. Je suis désolé pour mon articulation fatiguée. Il m'arrive de vendre moi-même des parfums. Imaginez Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde, qui de temps en temps va vendre des parfums. Lorsqu'on dirige un tel groupe, il faut être au contact de la réalité. Le meilleur moyen, c'est de rencontrer les vendeurs et les vendeuses, d'évoquer avec eux les produits et les concurrents. Ouais. Je me rends régulièrement bon marché et dans d'autres de nos magasins, et quand il y a beaucoup de monde, il m'arrive moi-même de vendre des produits comme des parfums, bien entendu, en toute simplicité. Voilà. Et ensuite, le petit texte qu'a écrit Bernard Arnault digresse de façon absolument fantastique. J'ai toujours une naturelle assez impatiente. Une nature assez impatiente, pardon. Parmi mes amis, certains sont des grands sportifs qui m'avouent avoir quelquefois perdu des matchs de tennis importants. Je paye d'autres potes avec Henri Lecomte, on imagine, à ce moment-là. Parce qu'il n'avait pas été suffisamment patient pour attendre que l'adversaire se fatigue. Alors lui, c'est celui qui se fait faire des courriers, vous savez, par le ministre de la Défense pour attendre, pour payer moins cher, pour faire payer moins cher Tiffany. Et puis, on arrive à la fin du truc. Alors là, rien ne vaut le contact humain. Voilà. Je n'aime ni les emails ni Zoom. Bon, il a des gens pour s'occuper de ça. Je préfère voir mes collaborateurs. Heureusement, ils ne sont pas toujours déférents. Beaucoup sont plutôt spontanés. Je souhaite la contradiction, car si on est tous du même avis, ça amène à la ruine. Je n'ai pas besoin de béni oui. D'ailleurs, et là, c'est important, dans l'ascenseur, ceux avec qui je travaille ne se croient pas obligés de baisser les yeux quand nous partageons cet espace exigu. C'est vrai que c'est un petit peu comme quand c'est dans l'ascenseur avec Dark Vador. Bon, les mecs, ils ont des casques, hein, dans la guerre des étoiles, mais ça doit être un peu inquiétant. Voilà. Donc, il vend lui-même des parfums. Donc, allez de temps en temps au bon marché. Peut-être que vous verrez Bernard qui vend ça quand même. Voilà. J'ai trouvé ce texte de pure communication dans Paris Match. Paris Match qui appartient maintenant en partie à Bernard Arnault. Et j'ai trouvé ça. Oui, Bernard Arnault, j'ai changé de roue, je sais moi aussi changer une ampoule. On connaît tous ces machins de grands patrons qui vous expliquent qu'ils sont, voilà, qu'ils sont comme nous, en fait, ces gens-là. Bien entendu.
Libération. Libération qui nous fait un numéro spécial animaux, donc c'est un numéro double, il y a un numéro donc du 10 et du 11 novembre, spécial animaux, donc avec plein de chouettes photos d'animaux, là on a un gentil phoque, on dirait vraiment un petit extraterrestre, cette petite bête mignonne, avec une infographie assez complète sur la chasse. Voilà. Donc en chasse, il y a 22 animaux qui sont 22 millions, pardon, 22 animaux tués par an, bien entendu. Il y a 22 millions d'animaux qui sont tués par an. Voilà. Et en fait, on explique souvent, les chasseurs expliquent qu'ils sont là pour réguler, parce que sans la chasse, il y aurait trop de sangliers qui ravageraient les terres, on pourrait plus bouffer, des trucs comme ça. Alors, je ne suis pas expert, et puis, comme ça sur le papier, la chasse, c'est pas mon truc. Je me vois mal me bourrer la gueule, me déguiser en Kosovar et aller flinguer des animaux le week-end, je dors le week-end en général. Et là, on voit en fait qu'il y a un paquet d'animaux, des espèces menacées. Voilà, des espèces quasiment menacées qui sont flinguées. Donc il y a pratiquement, si on voit schéma, 20%, 10% d'espèces menacées. Voilà. Et puis des espèces quasiment menacées aussi, qui sont déglinguées. Donc on a la bécassine des marais. Voilà. On a pas mal de sarcelles noires, donc ça, ce sont des oiseaux. On a du lapin de garenne, bon ben là c'est une hécatombe, hein. Le lapin de garenne est quand même fait pas le poids face à un calibre 12 ou un 22 long rifle. Donc c'est 1 465 000 lapins qui sont tués. Et puis on a des tourterelles des bois, on a des alouettes des champs. Enfin voilà, c'est assez étonnant de voir ces animaux qui sont abattus comme ça. Alors on chasse quand même hein, carabine ou d'un fusil. Donc c'est quand même 96%. Et puis après on a des pièces exotiques, on a la vénerie. Donc ça sert, on a saloperie, la vénerie. Et puis on a la chasse à l'arc. Ça fait mal ça, la chasse à l'arc. La fauconnerie, donc ça c'est quand même plus rare. Et puis on a les chasses traditionnelles à la glu. Vous savez, vous accrochez un animal par les pattes. Puis comme ça, il est mal, donc il appelle les autres, ses copains viennent le voir, et là, bam, tu lui fous un coup dans la gueule. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ah, il y a un con dans le chat qui est pénible, j'ai pas fait gaffe. Y a un mec pénible, je vois pas, excusez-moi les amis, je vois pas tout le truc. Est-ce que Clip, tu es là, est-ce que tu peux t'occuper si quelqu'un est pénible? Je vois pas. Je les vois pas là comme ça, je vois pas tout dans le truc. J'espère que ça va, qu'il n'y a pas un trop gros lourd. Normalement, il y a la section tire-loup qui est là, qui devrait faire le nécessaire. Donc voilà pour la chasse et pour ce graphisme et ces chiffres impressionnants. On a ensuite le libération normale, le libération pas des animaux, d'autres animaux politiques, des humains, avec cette magnifique petite couverture avec notre ami le président Emmanuel Macron qui a sa petite main comme ça. Alors justement, hier il était, on va en parler un peu. Hier, il était tout en contenance. Je pense qu'il lui avait donné des produits. Je sais pas, mis des élastiques tôt le matin pour le contenir parce qu'il était calme. Voilà. Il n'était pas du tout énervé. Il n'y avait pas la caméra qui tournait autour de lui. On n'était pas dans un... Il était apaisé à la maison. Il nous parlait comme ça. C'est super. Et il nous parlait d'un pays qui est pas le nôtre, en fait, d'un pays qu'il a rêvé. Je sais pas si vous l'avez regardé. Moi, je l'ai zappé en vitesse. Hein. J'ai pas tenu tout le long. Donc, tout va bien. Voilà. Franchement, il y a plus de criminalité en France. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de chômage non plus. Tout va bien. Mais on va quand même, bah, maintenant, le chômage, c'est plus parti de 4 mois. C'est à partir de 6 mois. Et oui, c'est comme ça. Et puis, les gens de Pôle emploi vont travailler aussi. Les gens de Pôle emploi, ils vont regarder toutes les annonces qui n'ont pas été pourvues. Et puis, ils vont essayer de les donner aux personnes. Et cela, dès cette semaine. Avant, ils faisaient une conche. Voilà. On imaginait qu'ils faisaient des petites choses comme ça. Bon, complètement surréaliste comme moment. Centrale nucléaire. On va mettre des centrales nucléaires un petit peu partout. Donc, on n'en a pas fait une depuis longtemps. Alors, c'est vrai qu'on a l'EPR de Flamanville. On est à 19 milliards de coûts pour un coût initial de 3 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Le truc qui va près d'être lancé, il va en fabriquer un certain nombre pour qu'on soit indépendant énergétiquement, ce qu'on est hein, déjà dans les faits. Voilà, c'était étonnant. Et puis, bien entendu, donc pour les vieux, ça va être obligation pour avoir le pass vaccinal qui fonctionne. C'est pour ça qu'on le garde jusqu'en juillet, ce putain de pass vaccinal. Et puis voilà, donc il est clairement en préélection. Voilà, il nous a fait un petit peu la morale. Il nous a pas dit que les vieux devaient être
dehors, dans la cuisine. Il n'a pas eu des propos comme celui-là, mais c'était pas terrible. Hein. C'était Emmanuel Macron, quoi. Voilà. C'était Emmanuel Macron. Je viens de perdre à nouveau le broadcast de ma tablette. Je vais le récupérer. Tac. Et on va pouvoir continuer à regarder un peu ce qu'il y avait dans l'IB. Donc voilà, donc en fait tout va bien, les Français. Vous pouvez voter pour lui sans aucun problème aux prochaines élections, puisqu'il a quand même réglé tous les problèmes. Il y a plus de problème en France. Je ne sais pas comment vous avez vu ça, mais c'était quand même terrible. Tiens, il y a Robert qui est là. Salut Robert. Et sa voix était trafiquée. La voix de Macron hier était trafiquée. J'étais dans la cuisine. C'était le bordel. Je cuisinais. Enfin, ma femme cuisinait, pour être honnête. Et c'était le sacré le bordel. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Donc ça, c'était dans Libération qui parle principalement de ça. C'est vraiment plus concentré sur les animaux, Libération, aujourd'hui. Le Monde, Le Monde, Le Monde, Le Monde, Le Monde, avec toujours hein, la tentation Zemmour chez les adhérents LR. Excusez-moi, donc voilà, ils vont se faire liposuccer à mort en fait par Éric Zemmour. Je pense que ça va se passer comme ça. Donc ils sont énervés hein, les mecs LR. LR n'a rien fait pour s'attaquer à bras-le-corps à l'immigration, au communautarisme et à la sécurité. Ça c'est Brigitte, retraitée membre de LR. Elle est pas contente. Voilà. Il n'y a que Nicolas Sarkozy qui pourrait s'en occuper, mais il peut pas. Nicolas Sarkozy est occupé, donc il peut pas. Alors il y a des trucs fantastiques. Sa pensée a toujours été un écho dans notre famille politique. C'est pour ça que sa candidature attire les militants LR en mal d'incarnation. Alors c'est vrai qu'il va y avoir début décembre le combat, le grand combat, le grand tournoi. On va voir qui va gagner chez les LR. Voilà. Moi je parie sur le mec pénible. Là. Je pense que Bertrand va se faire étriller. Je pense qu'ils vont le déglinguer. Et je pense pas que ça va être. Je pense pas que ça va être possible pour lui. Voilà. Donc un article plein d'inquiétude, parce qu'ils savent bien qu'ils sont morts. Quoi. Voilà, que Zemmour va les bouffer. Voilà, c'est ce que dit la fin de l'article. Une personne. Il dit beaucoup d'adhérents et LR qui se sont restés ici par fidélité ou par peur de perdre leur place, franchiront le pas, ajoute-t-il. Ce sera la répétition de ce qui s'est passé en 2017 et 2018 avec Macron, au centre du parti LR. Cette fois-ci, ça va arriver par la droite. Voilà. Et je pense qu'il va se faire complètement. Je pense qu'ils sont morts, les LR. Je pense que c'est fini. Voilà. Sauf s'ils ne se présentent pas, bien entendu. S'ils ne se présentent pas, ça sera Marine qui prendra les points. Alors justement, Marine Le Pen tente de riposter à la concurrence du polémiste. Voilà, donc elle était complètement concentrée sur le second tour. Elle commençait déjà à réviser le débat d'entre deux tours parce qu'elle n'avait pas été super bonne la dernière fois. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen? Ben Marine Le Pen, je sais pas si vous l'avez vu. Je n'ai pas vu l'émission. J'ai failli faire tomber mon truc. Obsession intime, conviction intime. Je sais pas comment ça s'appelle cette connerie. C'est pas une obsession. C'est une obsession chez eux, mais c'est une. Enfin bon, un truc intime avec une animatrice qui se fait payer la réfection de sa maison par des aides de l'État, alors qu'elle gagne déjà très bien sa vie. Je sais plus comment elle s'appelle cette femme. Il paraît. Alors je sais, ambition intime, merci. Il y en a qui suivent. Ouais, confession intime, c'est pareil. Excusez-moi. Je ne sais pas. Donc dans confession intime, c'est ça. Ambition intime aussi, je crois. Je crois que c'est ça, c'est ambition intime pour les femmes politiques. En fait, c'est un spécial femme politique. Et ils ont eu des grosses allusions à Marine Le Pen sur le fait qu'elle ne vive plus avec un homme. C'est fini. Bon, elle s'est débarrassée de Louis Alliot. Et que maintenant, elle vit avec sa copine, Ingrid, son amie d'enfance, Ingrid. Et Karine Le Marchand, voilà, celle qui est super bonne en optimisation fiscale. Elle est très forte. Et donc, elle était avec sa copine Ingrid. Voilà. Et qui a que des chattes à la maison, voilà, c'est ce qu'elle expliquait. Et donc sur les réseaux sociaux, j'ai la faiblesse de regarder un peu trop mon compte Twitter. Tout le monde se moquait en disant est-ce que Marine Le Pen ne serait pas gay en fait, par exemple, ce ne serait pas une tentative pour récupérer le vote gay? Je sais pas, c'était drôle. Je sais pas si c'est vrai. Ça a fait marrant. Ça m'a fait marrer. Voilà, celle qui fait l'amour chez les agriculteurs, ouais, c'est ça, l'amour dans le pré. Parce que je regarde pas ça, je sais pas. Voilà, donc elle tente un peu de faire ce qu'elle peut. Alors, je l'avais vue il y a 5 ans quand elle avait été interviewée de façon super sympa avec mamie des petits chats. Je sais pas, est-ce qu'ils sont vicelards à ce point-là pour faire des trucs comme ça? J'en sais rien. Et puis la vie amoureuse de Marine Le Pen, je m'en fous un peu. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Il y avait des commentaires drôles sur Twitter
lundi matin. Donc grosse inquiétude quand même. Il faut qu'elle occupe le terrain, qu'elle semble négliger Marine Le Pen. Il faut un peu qu'elle. On la voit plus Marine Le Pen. Elle ne fait plus du tout marrer les journalistes. Voilà. Bon, et puis elle a un diplôme. Voilà. C'est vrai, elle a passé un diplôme pour s'occuper des chats, mais apparemment elle pense que les chats, c'est ce qu'elle a expliqué. Et puis on va finir très vite, puisque cette revue de presse va être courte, tant mieux pour vous. J'ai pas tenu bien longtemps aujourd'hui, par le Figaro. Par le Figaro, avec plein de bonnes nouvelles, notamment le retour de Thomas Pesquet. Voilà. On va parler un petit peu de Thomas Pesquet. Et puis on parle un petit peu d'Emmanuel Macron, donc, par rapport au vaccinal. Donc troisième dose obligatoire pour les plus de 65 ans. Sinon, en ce moment-là, ils ne pourront plus aller au restaurant. Donc on sait déjà qui sont les vieilles personnes sont sur les starting blocks pour se faire vacciner. Ça commençait, je sais. Voilà. Donc il y a déjà 3,4 millions qui ont pris la dose de rappel. Voilà. Alors on a des chiffres toujours. On repart, hein, vous savez, comme en 40. Sur le seuil d'alerte. Attention, seuil d'alerte a été. Voilà. Seuil d'alerte, on fait des vaccins. Le vaccin qui devait tout régler, hein, le vaccin qui devait être la panacée à tous nos maux. Et puis on a les médicaments de Merck aussi qui arrivent, qui vont arriver. Je ne sais pas si on a des. Non, on n'a pas de. J'ai pas. Je viens de regarder rapidement. Il y a un article aussi sur les médicaments de Pfizer et de Merck. Coût des fortunes qui ont été testés sur 380 personnes. Ça me semble faible. Je me rends pas compte, je suis pas médecin. Mais c'est quand même. Voilà, amusant la façon dont ça va se passer. On a signé de nouvelles cartes de France avec des seuils de déplacement. On nous fait croire que tout ça est très très maîtrisé, tout ça est fait de façon très logique, mais pas du tout en fait. Hein. Ça a été fait à la bonne franquette, en comité de défense probablement. Voilà. Donc la dose de rappel jouera probablement un rôle pour freiner la circulation du virus. Probablement. On est dans la probablement aujourd'hui. Et puis Israël a réussi son pari de la troisième dose, mais hésite sur la question des enfants. Voilà. 27% des parents sont prêts en Israël à faire vacciner leurs progéniture pour une troisième dose contre 33% qui s'y opposent et 40% qui hésitent. Voilà, on va les vacciner à mort. Voilà. La vaccination des enfants, moi, j'ai toujours pas compris la vaccination des enfants. Voilà. C'est un très très grand mystère pour moi, cette obsession de vacciner des enfants qui ne sont pas malades et qui, de toute façon, quand on a le vaccin, on donne le virus. Enfin, on l'a dit 1000 fois, ça, on va pas répéter ces discussions complètement inintéressantes. Voilà. Hier, à Colombey, deux églises, bah, c'était le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Donc là, c'est un peu la foire d'empoigne. Là, ils sont un petit peu tous là pour essayer de récupérer un petit peu d'héritage, de. Voilà, donc il y a Valérie Pécresse au milieu, il y a Christian Jacob, ils sont tous là, il y a Xavier Bertrand, bien entendu, il y a Éric Ciotti qui est là, il y a Abad, qu'on reconnaît, même si jamais la photo est prise au grand angle, pour tous les voir derrière la croix de Lorraine. Voilà, donc les cinq prétendants à l'investiture LR accompagnés de leur président Gilles Jacob, Christian Jacob, hein, Gilles Jacob, c'est le festival de Cannes. C'est un peu une sorte de festival de Cannes, républicain, hein, de toute façon. Au pied de la croix de Lorraine, à Colombey, les deux églises. Eh ben, ça avait de la gueule, voilà. Donc, ils ont tous essayé de se dire leur héritage. Voilà, et puis un petit article sur l'infatigable filiation à De Gaulle. Voilà. Ça commence à dater un peu tout ça. Et puis, la bonne nouvelle, et puis on va finir sur ça. La bonne nouvelle, c'est que Thomas Pesquet est rentré sur Terre. C'est quand même bien, hein, c'est mieux. Voilà, il est rentré sur Terre, on l'a vu se poser dans sa capsule de SpaceX, la boîte d'Elon Musk. Il était assis. Alors, il y a un article assez marrant sur qu'est-ce qui se passe quand on revient. Alors, bon, déjà, attention, cocorico. Hein. On a toujours. Ça, c'est le. Ils adorent accentuer cocorico au Figaro. Regardez, voilà. Le record, c'est notre Ayrton Senna, nous, notre Schumacher à nous, notre champion du monde de la France. Nombre de jours passés dans l'espace par les spationautes européens à bord de l'ISS. Eh ben, les Français sont les plus. Hein. On a gagné les Italiens à l'euro de l'espace. Et puis en nombre de sorties extravéhiculaires, hein, c'est-à-dire sortir juste attaché à la petite cordonnette là, à 39 heures dans l'espace. Hein, on a gagné encore l'Italien. On a gagné sur tous les trucs pour 6 sorties. Et puis attention, autant que l'Italien, mais lui c'était que 33 heures. Nous on est. Ça c'est la fameuse productivité française. Vous voyez, le mec qui fait 6 sorties, nous on fait 39 heures, lui il en fait 33. On est productif en France.
n'en déplaise à d'autres. Et puis on a passé, en tout, sur deux voyages, je crois, 380, on a passé, Thomas Pesquet a passé 395 jours dans l'espace. En tout. Voilà. Et puis il y a un article qui, moi, qui m'a fait sourire, en fait. Donc on a un type qui est docteur Guillaume Wertz, qui est responsable du service des médecins de médecine spatiale au Centre européen des astéroïdes de Cologne. Donc c'est le mec qui va s'occuper de retaper Tom Lastro, Thomas Pesquet. Je perds son nom. Le matin, je suis pas réveillé, je perds les noms. Des gens, vous le savez, souvent j'abîme les prénoms. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il me dit, en fait, c'est pas agréable, hein, du tout comme truc. Alors, il nous explique bien. Il nous explique bien que pour comprendre ce qui se passe, il faut rappeler que sur Terre, notre corps lutte en permanence contre le champ de gravité, ce qui n'est pas le cas à bord de la station internationale. Voilà. Alors le corps s'habitue rapidement à la disparition de cette contrainte. Le sang n'est plus attiré par les pieds et se concentre sur les parties centrales du cœur. Le corps n'a plus besoin de pomper aussi fort pour faire monter le sang, donc on a une baisse de pression sanguine. On perd des os, parce qu'en fait, étant donné qu'on marche, ça fait des micro-traumatismes un peu partout, donc les os se reconstituent, donc les os sont tranquilles, donc on perd de la masse osseuse, voilà. Et de la masse musculaire aussi, 1-2% par jour de masse musculaire, donc c'est pour ça qu'ils s'entraînent, ils ont une petite salle de sport, ça doit schlinguer dans ce truc, je dis toujours, entre les chiottes bouchées, la salle de sport et le truc, ça doit être glamour comme truc. J'espère qu'ils ont une très bonne ventilation. Alors dans les premières heures, bah, ils ont la gueule de bois, ils sont vraiment vraiment pas bien. Et puis ensuite, il y a l'atterrissage. Alors l'atterrissage, c'est pas terrible non plus l'atterrissage. Il nous explique bien, hein, que c'est pénible. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le retour d'un deuxième vol est-il plus facile? Parce que lui, il est déjà habitué, il l'a déjà fait une première fois. Est-ce que la deuxième gueule de bois est plus dure que la première? Ça, je sais pas, je me souviens pas. Alors, lui, il n'y a pas vraiment de règles. Il existe une grande variabilité entre les individus d'une part et d'un vol à l'autre. D'autre part, le même astronaute peut vivre très différemment son retour sur Terre. Ce n'est pas forcément plus simple la deuxième fois, même s'il sait à quoi s'attendre. Et à plus se préparer psychologiquement parce que c'est très dur comme truc. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils atterrissent? Ben, il faut aider le sang à remonter un peu au cerveau parce qu'il redescend, le sang, ça marche comme ça, la gravité. Donc boivent beaucoup d'eau avec des pastilles de sel afin d'augmenter artificiellement le volume de sang, ça fait plus de sang. Il y a des mecs qui ont des costumes entigés. Voilà, c'est pour ça qu'on les assoit tout de suite, parce que s'ils se mettent debout, ils pourraient se casser la gueule. Plus de sang au cerveau, boum, on tombe. Voilà, l'oreille interne est de nouveau perturbée. Après le mal de l'espace, c'est le mal de terre qui peut rendre l'astronaute nauséeux pendant quelques jours. Donc c'est quand même une sacrée gueule de bois. Voilà, tout le corps est affaibli et il faut vite retaper Thomas Pesquet. Hein, il faut vite retaper ce cher Thomas Pesquet. Donc voilà ce qui se passe quand on rentre dans l'espace. C'est un petit peu la même chose quand on refait une revue de presse et qu'on n'a pas fait depuis 2 3 semaines presque. Je vous avais pas vu. Je vais être là plus souvent le mercredi ou le jeudi, avec un meilleur son. J'ai compris pourquoi mon son est pas bon. Je suis désolé, mais ça va mieux marcher. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez Alexis demain pour une grande revue de presse spéciale 11 novembre, en direct de la tombe du soldat inconnu, je crois, ou un truc comme ça. Vous pouvez vous abonner. Alors, il n'y a pas eu les petits messages, j'ai pas vu de notifications qui sont arrivées. Si certains sont abonnés, merci. Si vous n'avez pas fait, tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez toujours venir ici sans payer. C'est inclusif et bienveillant. Chez nous, on a le Patreon pour ceux qui veulent des goodies et nous financer. Oui, c'est fini, je suis désolé, j'ai fait vite. Alexis m'a demandé de le remplacer au pied levé, et puis j'ai des rendez-vous qui vont commencer bientôt, d'ici une minute, donc j'ai fait très vite. Et voilà, donc je vais enlever ce bandeau de pub insupportable, je vais vous remercier d'être là, je vais vous faire un meilleur son. Ouais, je chante pas, je fais pas d'imitation, par contre je me suis mis au ventriloquisme, bientôt je vous ferai un petit spectacle, comme ça ma bouche bougera pas, et puis ma main, il y aura une marionnette. Voilà, ça sera super. Alexis est beaucoup plus entertainer que moi. Voilà. Il revient demain et il chante pas, c'est pour votre bien. Je vous remercie d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour ma part. Bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance de faire le pont. Voilà, de ne pas travailler demain. Prenez soin de vous. Ciao.